de répondre à toutes les questions posées, tant par les parents. Dans un deuxième temps, la commission d'enquête a examiné s'il existait des indices d'estompement de la norme, que les conditions requises pour qu'il y ait corruption sont présentes, sans que la qualification pénale de corruption puisse être trouvée. La commission est donc en mesure de dénoncer des causes structurelles et quelquefois individuelles qui sont à l'origine de l'échec de l'enquête. Ces observations rejoignent et renforcent celles qui avaient été formulées au cours d'enquêtes parlementaires précédentes. Les dysfonctionnements de l'appareil pénal belge posent aujourd'hui de graves problèmes qui mettent réellement en péril l'état de droit. Zoals het door de wetgeving geregeld is, als zoals het door de uitvoerende macht wordt onderzoek en onder voorbehoud van de beperkte onderzoekshypotheek de interesse van de medische commissie in de zaak genoegzaam bekend als de moord in de champignonkwekerij, lijkt duidelijk was dat onze interesse niet. I don't see my name in the report, not either in the dates. There are dates when they hurt somebody. My name is not in it. So they didn't do anything about it, what I said at that moment. And for me, it's clear that I proved at that moment a few mistakes, a few dysfunctions. And they didn't mention it in the report. So I'm certainly not happy. And for me, it proves that it's all politics, also the commission. For me, that's new politics for this politicians. Et de mettre des gens motivés et valables avec des pensées un peu humaines et qui peuvent penser un peu aux victimes plutôt que de penser uniquement aux financiers. Vous voulez des élections anticipées? Je veux des élections anticipées. Je veux que le gouvernement démissionne demain. C'est clair que la société belge aujourd'hui n'est plus du tout la même société qu'il y a environ deux ans. C'est clair que les hommes politiques d'aujourd'hui ont une prise de conscience qui n'est pas du tout la même que la prise de conscience d'il y a environ deux ans. Et ça, c'est le grand choc, le malheur, c'est qu'il a fallu ces disparitions, ces crimes horribles. Mais c'est clair que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde d'avant du trou. België kan nog niet rustig gaan slapen. België zal dat maar kunnen op het ogenblik dat men erin slaagt van ten eerste zijn fouten te erkennen, want daaraan zijn we nog altijd niet toegekomen. Ten tweede van de aanbevelingen te doen naar de toekomst toe. En ten derde van diegenen, zoals het door de regeringsleiders zo dikwijls is gezegd geweest, die verantwoordelijkheid dragen, van diegenen dan toch even ter verantwoording te roepen.